C'était le jour de la sortie de Noctalie. Après avoir publié mon guide ultime, je lance mon stream et me prépare à affronter des heures de solo queue avec mon Noctalie. Au début, tout se passe bien, les victoires s'enchaînent, les parties sont agréables, j'en viens même à apprécier le gameplay de Noctalie que je redoutais tant. Et tout à coup, je me mets à tester un autre build, plus original. Si vous avez regardé mon guide ultime, il s'agit du build Noctalie polyvalent, avec tricherie et aboiement et des objets ultra offensifs. L'attaque la plus puissante de Noctalie étant sans conteste Regard Noir, je n'attends pas grand chose de ce test. Et puis, là où je galérais à faire la différence avec le premier build de Regard Noir Vœux, je m'aperçois que j'ai beaucoup plus d'impact dans la partie avec ce nouveau build. Les statistiques sont au rendez-vous, les dégâts infligés élevés, et les victoires continuent de s'enchaîner. Et tout d'un coup, en plein stream, tout s'effondre. D'autres joueurs me volent Noctalie, je décide de tester le build de soutien qui est compliqué à faire fonctionner en solo queue, je n'arrive à rien dans mes parties, je joue plutôt mal, résultat, les défaites s'enchaînent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites d'affilée, dont seulement 2 où j'ai pu jouer Noctalie et qui ont été horribles avec des coéquipiers à la rue, des Ascians, des Givrali, bref, un enfer. Après de longues heures de stream, mon mental commençait à sérieusement flancher. Je n'arrivais plus à garder ma bonne humeur habituelle et je sentais que j'avais besoin d'un coup de fouet. Dans ce cas-là, une seule solution pour moi, du métal à fond dans les oreilles, 100% focus sur la partie et on part 1v9 la game pour finir le stream sur une belle victoire, c'est l'objectif. Cette partie, c'est celle que vous allez voir. Malheureusement, pour raison de copyright, j'ai dû retirer la musique, mais vous allez voir, l'important, c'est de constater la force de Noctalie, tricherie, aboiement. Allez. Prêt ? C'est parti ! Bah go feu lane. Allez go carry. Arrête ça. Ok, s'en sort lui. Je suis pas gâte là-dessus. Sur l'absol. Ok, je m'en vais. Je commit là, je commit pour ma team là. Dégage. J'ai qu'une stack, c'est chiant. J'ai tombé pour mes stacks hein. J'en ai besoin à baron de mes stacks hein. Tu peux pas aller ailleurs le jungler à tout hasard? Il est pas si issu, ça va. Bon, ouais, c'est entame mes stacks. Oh, ils ont 1 HP, je suis sérieux. Oh, ils ont 1 HP, je suis dégoûté. Ok. Ah, ils ont tous 1 HP, je suis dégoûté. Ah, oh, personne n'est venu défendre. Ah, oh, ils sont pas venus défendre. Ils ont touché un HP, ils avaient des free kills. Dommage. Dommage. Fallait venir défendre. Allez, c'est parti, la vraie musique là. Ça joue le bot. On pourrait pousser les flèches top en vrai. Hein. Je pense faire les top là. Hein.
Ah, ils ont Red Jace là vraiment. Ok, nice, bien joué, Goupelin. Ma stack, ma stack. Ma stack. Ma Unite. Je peux casser. Ah, il fait vite, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On pourrait invade en vrai. Tant pis. Ah, de prendre mon XP, tu sers à rien, toi. Je suis perdu là. Ma macro pump. Je fais des tours. Un peu là. J'ai peur des flèches là. Faut que je défende rien. Ouais, mec là. La seule est 10 quand même, hein. Viens là, connard, t'es vitesse plus là. Allez! On dit pas là. Allez, on s'en fait cette game. Allez, celle-là, on la perd pas là. Ah, toi t'as grid. Le crit, il est bien. On joue bien, on joue bien avec le Goupelin là. J'aime bien ce que je vois là. J'aime bien ce que je vois avec le Goupelin là. Ah merde, je suis dans la zone là. J'ai plus de timing ult là. Oh, c'est chaud ça. Ils ont le jump sur moi à ce moment là. Ah, il fallait que je meure maintenant. C'est ok. Allez. Allez, on avait 9 cette game. Oh, même Florizard, le Goupelin, il est bon. Est-ce que j'ai le temps de respawn avant le Red Jace? Non, j'ai pas respawn avant. J'aurais pas le buff. C'est pas grave. J'ai full catch, hein.
C'est Farine le solo ult. L'Absol est en train de hint hein. Oh sa mère. Allez, ratio. Ok. C'est bon, c'est fun. Voilà! Ah là! Allez! Dehors! Voilà! On a fait une bonne game là. Là, on a fait une bonne game. Franchement, la game est incroyable. Ils étaient pas très bons en face, fallait les battre, fallait pas perdre cette game. On a pas perdu la game. En vrai, au-delà des dégâts, parce que les dégâts en vrai, on s'en fout et tout. On a vraiment fait une bonne game en termes d'engage et tout. On n'a pas grid. Il y a une fois, on est mort à 2-30 et tout, mais c'était pour la beauté du geste. À chaque fois, on allait sur les bons timings sur l'archiduc, on s'est pas jeté. On savait quand est-ce qu'il fallait y aller, quand il fallait pas y aller. On savait quand est-ce qu'on avait les dégâts pour faire les kills ou pas. On a fait trouver des bons flashs. Tricherie. Non, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Et le Goupelin m'a bien suivi, c'était grave appréciable aussi. Il a mis 2-3 fois où il a mis 1 ou 2 fins sorcelés en plus pour m'aider là. Pixel.